sur l'écologie, donc vous avez été nombreux sur Twitter à m'envoyer des liens. Alors j'ai toute une liste, hein, on y reviendra de toute façon. J'ai toute une liste de liens que je vous partagerai tout à l'heure. Moi, personnellement, j'en arrive à la conclusion que on peut pas savoir. Même si d'un côté on nous dit qu'il y a un consensus scientifique de 90% de scientifiques, voire 97% de scientifiques selon le GIEC, qui sont d'accord avec l'idée que le réchauffement climatique est dû aux êtres humains et à l'avancée technologique, il n'en demeure pas moins que quand je demande quelle est la preuve, tu sais, de manière zététique et chiante, quelle est la preuve qu'il existe un consensus scientifique, il y a des gens qui m'apportent la preuve que ça n'existe pas, ce consensus scientifique, et d'autres qui m'apportent la preuve Wikipédia que peut-être il y a un consensus scientifique. Mais c'est pas propre, quoi. Si vous voulez apprendre à analyser les documents du GIEC, sachant qu'il a un point de vue pro-réchauffement climatique humain, eh ben vous allez sur Jean-Marc Jancovici, le changement climatique. Si vous voulez l'inverse, vous avez le changement climatique, info ou intox, de Bible et science se rencontrent. Quand Bible et science se rencontrent. Alors là, c'est un gars, un scientifique. Je crois qu'il a eu un rapport avec le GIEC à un moment. Il a dû être correcteur ou vaguement. Enfin, il a eu un rapport avec le GIEC. Il en est parti. Je crois qu'il était au GIEC et il en est parti. Bon, on verra si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un scientifique. Il est apte à analyser ces documents. Et lui, il explique tout simplement que le GIEC, c'est une manipulation politique. Il le dit pas. C'est pas un complotiste. Hein. Mais il t'explique, pas scientifiquement, même au niveau de qui porte le GIEC dans ses mains, comment se passent les lobbies. Et il y va tranquillement en 44 minutes. Et ça permet de voir, sans complotisme et sans effet d'esbrouf, en quoi le GIEC est contestable. Hein, pas plus, pas moins. Simplement ça. Ensuite, autre lien, avant-dernier lien, le contrepoint, encore une fois. J'ai eu des échanges sur Twitter et beaucoup des gens pro-GIEC, pro-Greta Thunberg m'ont affirmé, même des gens très raisonnables et des scientifiques m'ont affirmé, il y a un consensus scientifique, donc fermez-la, en gros. C'est l'argument majoritaire des gauchistes ou des pro-Greta, c'est il existe un consensus scientifique. J'ai demandé sur quoi était-il posé. Il n'est posé que sur un article Wikipédia très obscur que j'arrive pas à comprendre. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cet article, le mythe des 97% de consensus sur le changement climatique. Donc c'est le contrepoint, le mythe des 97% de consensus sur le changement climatique. Voilà. Parce que tout le monde dit qu'il y a un consensus scientifique. Eux, ils disent que non. C'est très court. C'est pas encore fini. On n'a pas encore fini d'en entendre parler. Sachez que s'il y a un seul truc à retenir, si vous voulez comprendre l'argument des gens qui sont pro-réchauffement climatique, c'est juste, il y a un consensus. Donc tout se porte là. Est-ce qu'il y a vraiment un consensus ou pas? Et je finis avec Le Monde. Le Monde qui nous a pondu les principales critiques faites aux experts du climatique du GIEC. Donc c'est très intéressant comme article parce que du coup ça regroupe les 5 critiques principales faites au GIEC. Et alors à chaque critique, ils mettent une réponse. C'est-à-dire ils répondent à la place du GIEC. En gros, ils sont tellement pro-GIEC, tellement pro-Greta qu'ils en sont... Alors il y a 2-3 phrases, hein, c'est un peu alambiqué, c'est n'importe quoi. Vous pourrez vous marrer. On sent... Mais au moins ils font le travail, ils répertorient les 5 critiques qu'on peut porter au GIEC. Voilà, donc si vous voulez savoir en quoi le GIEC est contestable, vous lisez l'article du Monde, les principales critiques faites aux experts climatiques du GIEC. Je vous laisse regarder ça en rediff.